Salut Choup Choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, puisqu'on se retrouve pour une vidéo Disney. Oui, ça fait deux en deux jours, mais j'ai eu plein de trucs en même temps. Je n'y peux rien, hein. Alors pour ça, alors déjà, je vous montre juste la tête du truc, après on en parle. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une box Tsum Tsum. Voilà, non mais une box Tsum Tsum, je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Alors d'où ça vient? Ça vient du site chezfee.com. Alors comment je l'ai découverte, cette demoiselle? C'est une demoiselle, enfin une madame. En gros, c'est une abonnée qui m'a contactée par Instagram pour me dire: Thibou, regarde ce site internet et des trucs trop bien. Bon, je pense qu'elle avait une voix plus glamour que ça, mais regarde, et des trucs Disney, princesse, machin et tout. Moi je vais voir, hein, parce que bien sûr quand il s'agit de dépenser de l'argent, je suis là, j'y vais. Et alors là sur le site, que des trucs du Disney Store japonais, il n'y a pas que du Disney, il y a aussi du Pokémon, il y a du Sailor Moon, enfin il y a plein de trucs qui viennent du Japon, c'est pas de la contrefaçon ni rien, c'est vraiment, en gros c'est acheté du Japon et elle le revend en France. Et du coup je fais oulala et je vois qu'il y a des box Tsum Tsum. J'ai pas dit non, t'es bien. Du coup je lui ai envoyé un mail en disant: bonjour, je fais des vidéos sur YouTube, est-ce que par hasard vous pensez qu'on pourrait travailler ensemble? Et elle m'a répondu qu'elle kiffait ce que je faisais et que avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ça? Donc du coup elle m'a envoyé la box, alors il y a différentes tailles. Là j'ai le pochon taille L qui est à 44€. Vous avez M, L, XL, enfin en gros vous avez tous les prix, hein. Je crois que le moins cher c'est dans les 15€. Vous n'êtes pas obligé de prendre des box, je vous dis, il y a de tout. À la base je voulais craquer pour m'acheter des serviettes et du textile Disney Princesse qui était trop beau. Mais bon, il y a les impôts à payer ce mois-ci, on se détend. Donc je vous montre sa carte, je vous mettrai tous les réseaux sociaux dans la description. Parce que elle mérite honnêtement qu'on fasse parler d'elle, hein, clairement. Vous savez que moi, vous savez moi comment je fonctionne, si j'apprécie le travail de quelqu'un et je n'hésite pas à en parler. Donc je le fais. Alors, on va enfin découvrir ce que c'est. Je l'ai depuis une semaine, j'ai pas pu l'ouvrir. Regardez, il y a mon chat, il est trop beau le pochon. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors je pense pas qu'il y ait de peluche, je pense que c'est vraiment des goodies en rapport. Donc on va voir. Ça a l'air très grand quand même, hein. Alors, premier truc. Oh, c'est trop mignon. C'est une petite règle. Une petite règle Tsum Tsum avec toutes les princesses et tout. Alors elle m'a demandé si j'avais une couleur préférée et des persos que j'adorais. J'ai juste dit que à choisir je préférais le rose mais que j'aimais bien tout donc c'était pas triste. Bon en général les Tsum Tsum voilà. Et en personnage j'ai juste dit que bon, je préférais les princesses et que Mickey et Minnie je m'en foutais un peu mais que si j'avais un truc Mickey et Minnie je serais contente quand même. Ah c'est pas... Donc une très mignonne petite règle, c'est cool parce que j'ai que des trucs immenses donc ça pour aller dans la trousse c'est pas mal. Oui j'ai toujours une trousse à 28 ans et alors j'en ai besoin. Alors qu'avons-nous? On dirait une peluche. Oh c'est trop chou. Alors là j'ai avoir besoin de vous, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Oh c'est trop doux. Oh c'est doux. Oh c'est méga doux. Oh regarde. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, c'est écrit en japonais évidemment. Alors 15 cm, oui, on sait la taille au moins, c'est pratique de savoir la taille. Mais donc oui, on sait pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est méga doux. Alors ça c'est pas du tout. Alors je pense que c'est un Tsum Tsum dans le sens où c'est une petite boule ronde en peluche. Mais c'est pas du Disney. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vachement chou, hein. Moi je valide, hein. Moi je valide complètement, hein. Je sais pas pourquoi je me mets sur la pointe des pieds toute seule. Vous avez vu, c'est un autre haut de Sweetie, parce que vous avez vu l'autre hier, du coup. Il y a marqué Believe in yourself. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, bref, c'était une parenthèse. Et voilà, donc un petit Tsum Tsum en peluche, très doux, très bien, je valide. Ensuite, mon dieu, il y a... Oh, mais il y a tellement de trucs. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un canard aplati. Alors là, il faut que je l'ouvre pour m'expliquer, là. Là, faut qu'on m'explique quelque chose, parce que... un canard aplati. Ah non, ouf, ah non, ça se mange pas, c'est du plastique clairement, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont fous ces japonais, non mais alors tu vois c'est tout sklouch sklouch. Oui sklouch sklouch, oui c'est très désagréable, non, non, en fait ça détend, mais après ça te laisse un petit film collant sur les doigts, c'est, ouais tu sais c'est un peu comme de la gelée, tu sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Oh, oh, il est beau, un crayon, attends dans l'autre sens c'est mieux, un crayon mini, regarde. Oh, il est trop mignon! Oh, c'est joli. Là, nous avons, je pense que c'est des stabilos. Regarde, avec tous les Tsum Tsum en dessous. Effectivement, eh, ça doit valoir un petit peu cher quand même. C'est tout ce qui est Tsum Tsum, ça chiffre vite, hein. Même chez nous. Voilà, je les ai sortis du plastique pour que vous voyez mieux. Vous avez vu, c'est super mignon. C'est des feutres en fait, ou c'est des stabilos? Ah, c'est des stabilos, je pense. Regarde la mine. Bon, je vais peut-être pas m'en mettre sur les doigts, hein, vous m'excuserez, mais je teste, mais il y a des limites, hein, donc très bien. Ah, mais j'ai de quoi faire une trousse complète, en fait. Là, nous avons... Oh, c'est trop chou! Regarde!
c'est des crayons avec une petite gomme et un petit je crois que c'est un petit cahier de coloriage. C'est trop mignon. Vous savez quoi, à la limite, je vais peut-être vous en offrir. Je vais voir, parce que des crayons, techniquement, je n'ai pas besoin de 500 000. Hein. Donc ça, ok, il y a la collection Disney qui prime, mais vous primez aussi, donc je verrai. Là, pour le moment, il y a le concours Insta, donc je vais peut-être pas doubler des trucs, mais peut-être pour Noël. Je suis en train de réfléchir pour Noël, d'ailleurs, si je fais pas un calendrier de l'Avent, genre tous les jours, bah, j'ouvre une case, comme j'avais fait l'année dernière, une case de mes calendriers, mais que je vous ferai un lot par jour également. Donc après, il faut que je vois, parce qu'il faut vraiment que je fasse attention à comment je me débrouille. Est-ce que je fais ça jour par jour? Est-ce que je fais tous les lots à la fin? C'est à voir encore avec mon organisation, mais j'aimerais vraiment vous faire ça. Donc à la limite, est-ce que ça vous dirait d'avoir des petits lots comme ça? Je dis ça, je dis rien, hein? Non, mais je pense que ça peut être sympa. Bref, nous avons également des stickers qui sont trop chou. Oh, vous savez que les stickers... Oh là là, regardez mon chat. Vous savez que les stickers et moi, c'est l'amour fou, hein? J'avoue. J'adore. Alors pourtant, je m'en sers pas parce qu'en fait, ça m'angoisse quand la plaque se vide. Non mais quand je l'ai plus ça m'énerve, je sais. Quand j'ai une plaquette en double je peux l'utiliser, mais sinon je bloque. Nous avons, oh là 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 là, mais c'est tellement mignon. Vous voyez pas là, hein, truc avec les princesses. Regarde, c'est tout petit nécessaire. Je sais pas si c'est des stickers. Non, derrière ça doit être aussi un petit livre de coloriage. Donc on a une petite règle, un stylo, qu'est-ce que c'est que ça, une gomme. Et ça c'est quoi? C'est quoi le truc qui est là? Ah, c'est peut-être un porte-mine. Non, si, peut-être. C'est peut-être un porte-mine et du coup des mines à côté, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de le défaire du coup si je vous l'offre. Je ne sais pas, en tout cas c'est très très mignon, hein. J'aime beaucoup. Je valide. On a toujours pas fini, hein. Alors nous avons encore un petit kit. Alors qu'est-ce que c'est que ça derrière? Ça a l'air d'être un peu plastique. Ah, derrière c'est une petite trousse cette fois-ci. On a une petite trousse avec encore un carnet coloriage, un crayon, une gomme. Mais c'est pas les mêmes, vous materez à chaque fois. Vous noterez bien sûr, vous noterez à chaque fois que c'est pas les mêmes. Ça fait vraiment, eh, pour le coup ça fait vraiment une collection de papier assez ouf, hein. Qu'est-ce que... Oh, trop bien. Alors ça, je vais le garder, vous m'excuserez. C'est un truc à accrocher. Ok, il y a une petite cordelette. Et ça, c'est pour écrire dessus, c'est matière ardoise. Regarde. 2 hours later. Putain, regarde. Hop. Bon, ouais, j'ai écrit comme un sac. Alors, en même temps, écrire debout, c'est pas la vie, là. Regarde, c'est trop mignon. Et du coup, après, t'effaces. Bon, par contre, le stylo est un peu long à défaire, décapuchonner, je vais y arriver. Mais voilà, c'est pratique, hein. Ça, j'adore. En plus on en a un déjà, j'adore ces trucs là en fait, où d'écrire un petit mot tous les matins et tout, et là en plus c'est un petit mot tum tum. Ça je valide grave. Ensuite, on n'a pas fini, nanana. Ah bah c'est une grande box, hein. Je dirais que c'est une serviette. C'est sympa comme tout ça. Mais c'est sympa comme tout. Oh, elle est mignonne. On dirait les petites serviettes, j'en avais reçu une, je crois aussi c'était dans la choupe courrier à l'époque. Vous savez qu'on achète toutes roulées en boule au Disney Store, enfin à Disney, et quand on les met dans l'eau ça les défroisse. Enfin, ça les rend plus longues. Elle est super jolie. Je vous la rapproche un peu, il y a mon chat. Je pense qu'elle n'a pas fait, elle a pas laissé ça au hasard. Je pense qu'elle a fait exprès de me mettre ça où il y avait mon chat. Mais c'est trop mignon. Et vous avez plusieurs choix de box. Ça, j'ai vu. Il y a genre plutôt princesse, plutôt mignon. Ensuite, ah, pratique. Un gros stylo. Alors moi, je travaille qu'avec ça. Je travaille. Comment je fais ma meuf? Oui, bah si, je travaille en même temps. Quand je planifie mes vidéos, je fais mes tableaux, quand je sais de faire un planning, etc. J'ai que un stylo comme ça, mais genre avec plein de couleurs. Vous m'aviez offert, hier, j'en ai un de la Reine des Neiges et un avec des tsum tsum aussi, il me semble, qui est jaune. Vous avez vu d'ailleurs sur la photo d'Instagram où il y avait mon bullet journal. Et alors celui-là, il est bien, mais il y a moins de couleurs, j'ai l'impression quand même. Hein. Mais ça, j'adore ces trucs-là. Je trouve ça super pratique d'avoir tout à portée de main. Bon, après, le stylo est gros, mais enfin, on s'y fait quoi. Donc, je verrai, lui, si je vous le fais gagner ou si je le garde. Je verrai, de toute façon, il faut que je planifie encore le truc de Noël. On a toujours pas fini, hein. Nanana. Qu'est-ce que c'est? Un petit pochon. Un petit pochon de princesse Disney. Oh, mais c'est trop chou. C'est trop trop chou. Ça, c'est toujours pratique pour ranger vos affaires, hein. Franchement, tout ce qui est pochon et tout, moi, ça m'est d'une utilité. J'en ai 50 000, mais j'en ai quand même toujours besoin. Donc, il est trop mignon. En plus, c'est un peu couleur de Noël, je trouve. Bon, il y a du rouge et des flocons, c'est Noël, hein. Il m'en faut pas grand-chose. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est un protège-cahier. On va voir ça tout de suite. Attends, je vous le montre déjà en ensemble. Voyons voir. Oh non, c'est un petit cahier. Mais c'est aussi... Ah non, alors, c'est bien un protège-cahier, mais ils ont quand même mis un petit cahier à l'intérieur. Alors, je pense que c'est plus histoire 2, parce qu'il n'est pas très grand, hein. Vous voyez, il y a vraiment... Non, vous voyez pas, mais il y a vraiment pas beaucoup de pages. Mais vous pouvez enlever le protège-cahier, et du coup, hop, vous le mettez sur un autre cahier à vous, et il est vraiment joli. Même en protège-agenda, bon, il faut voir la taille que ça a, bien sûr, hein. Mais moi, c'est pour le carnet de santé qu'il faut que je remette un protège, parce que mon truc, il part en lambeaux. Bref, c'est la fille d'un tuto qui va voir le médecin avec ça. Moi j'assume, hein, mais vous me connaissez, hein. Donc ouais, il est très joli. Moi je note plus en protège-cahier que le cahier parce que bon,
voilà, je sais pas trop ce que je ferais du cahier, mais très mignon, très mignon. Oh, génial. Oh, je valide. Un éventail. Alors, j'en avais reçu un dans une box kawaii, je crois que c'était cet été, avec Chi dessus, mais clairement, je préfère celui-là. Lui, je l'emmène en convention. Bon, alors, je vais peut-être pas l'amener à la Paris Games Week, parce que c'est en plein mois de novembre, hein, donc normalement, il fera pas trop chaud. Quoique, franchement, moi, je valide. Enfin, pour le coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre de plus près. Avec Réponse, Anna, Cendrillon, Daisy, Pascal, qui est intrus, et Ariel. Coucou! Ah, il est trop mignon. Franchement, il est trop mignon. Je savais même pas que ça existait. Ensuite, alors, il me reste plus grand-chose. Je crois qu'il reste trois choses. Alors, attends. D'abord, nous avons ça. Oh, un petit pochon de crayon de couleur. Mais ça, je pense que c'est clairement plus quand tu collectionnes justement tout ce qui est Tsum Tsum, t'es super content quoi. Franchement, c'est pas pour l'utiliser les crayons de couleur, c'est pour le garder scellé et le mettre dans ton étagère, tu vois. Ou remarque, tu peux utiliser les crayons aussi. Mais tiens, je vais voir juste sur les crayons s'il y a des Tsum Tsum aussi. Et la réponse est oui. Regarde, c'est super bien fait. Mais ça, il y en a plein. Bah, au Disney Store français, t'en as plein des kits comme ça pour les enfants. Enfin, des kits de rentrée, tu sais, où t'as des grosses pochettes avec des crayons de couleur, des gommes, des machins. Bah, ça, typiquement, c'est ça, mais du Japon. Voilà, voilà. Est-ce que ça, c'est pas la classe? Moi, je dis que oui. Et il nous reste deux choses. Oh, ça va tellement vite. Nous avons. Alors, qu'est-ce que c'est? Faut deviner, hein, à votre avis. Attends, je cherche. Oh! Attends, attends, vous êtes pas prêts mentalement, là, je crois. Regardez! C'est un fond, mais il est génial. C'est une nappe en fait, je pense. Je peux même pas vous la montrer en entier, tellement elle est grande. Je pense qu'à la base c'est une nappe à mettre sur la table des gosses ou je sais pas, mais moi je vais l'utiliser en fond. Mais il est génial. Il est génial, vous trouvez pas? Moi je suis trop fan. Je suis partie en ultrason, c'est que je suis contente. Regarde ça, il est trop beau. Ah franchement, alors je vais l'utiliser en fond pour mes vidéos, mais peut-être même derrière moi. Je sais pas où je pourrais l'accrocher. Non, en fond de vidéo, c'est mieux. Vous le reverrez. Ah, ce truc-là, vous le reverrez. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Ah, mais je kiffe de ouf. Et le dernier truc. En sachant que pour moi, le sac, ça compte aussi. Hein. Clairement, je vais aller faire mes courses avec. Le dernier truc, c'est une serviette aussi. Regarde comment c'est mignon. Regardez, je vous montre hors plastique. Oh, c'est trop mignon. Et ouais, c'est vrai que pour moi, ça, c'est cuisine. Je sais pas pourquoi. Quand il y a le petit truc pour... je sais pas, ce que les grandes toilettes ont ça aussi, je sais pas. Mais moi, je vais le mettre dans la cuisine. Parce que pour sortir le truc du four, c'est mignon. Hein? Moi, je valide complètement. Moi, j'aime bien. Alors, bah, c'était une box de ouf. Alors, donc celle que j'ai eue là, c'était 44€. En même temps, quand vous voyez la quantité de produits que j'ai eu, je pense que niveau prix, on y est clairement. En sachant que donc, il y a différents prix et qu'il n'y a pas que des box. Moi, je pense que je ferai une commande quand j'aurai plus de sous pour m'acheter les trucs du Disney Store Jap parce qu'ils sont plus en vente, en fait, sur Disney Store en ce moment même. Et c'est vraiment joli, quoi, les trucs avec les princesses, mais... Et à un moment où je ne serai plus raisonnable, c'est obligé. Donc voilà, mais je tenais vraiment à vous le faire en vidéo un jour où vous étiez en repos pour avoir le temps de flâner sur le site. Parce que je sais que moi, quand je l'ai découvert, j'ai juste passé 3 heures avant d'oser la contacter en me disant « Ouais, bah m'envoyer bouler, c'est obligé, il y a trop de beaux trucs. » Et elle m'a pas envoyé bouler, donc merci à elle pour ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a un produit qui vous a tapé dans l'œil particulièrement. Moi, je pense que c'est le fond quand même. Le fond, il déchire un peu quand même. Hein. Et le petit truc aussi comme ça, là. Pour écrire, en fait c'est ce qui est utile, plus ce qui est utile dans le quotidien qui me plaît. Hein. Donc voilà, et bah, donc je suis très contente, c'était une très bonne box, en même temps voilà j'ai eu un format assez important. Je pense qu'une petite box à 20€ m'aurait fait autant plaisir, mais là c'est vrai que du coup il y a la profusion. T'as ce sentiment, tu sais, quand tu sors du magasin avec 4 sacs de shopping, t'es en mode « Ah, j'ai fait une bonne journée !» Tu vois, voilà, c'est pareil, je suis « Ah, c'est trop bien !» Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Normalement, dimanche prochain, ce sera le Draw My Life. On aurait voulu le faire ce dimanche, mais ça faisait un peu juste niveau timing. Donc j'ai dit à Sano de pas se prendre la tête, on va pas se rendre dingue. Le but, c'est qu'on soit contente de sortir cet épisode ensemble. Si y en a une de nous qui est stressée ou tendue ou machin, ça ne sert à rien. Normalement, dimanche prochain, ce sera bon. J'ai très hâte que vous voyez cet épisode parce qu'on s'est vraiment marré à le faire, mais vraiment. Je vous aime vraiment très très fort. Et puis bah on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et ben oui. En attendant, prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas Pouka Pouka Pouka.